Ça va toi ? Oui, ça va, mais je ne sais pas comment je vais faire l'année prochaine. Comment ça ? Tu sais que je suis passionnée de tennis, mais je ne suis pas certaine d'avoir le niveau pour pouvoir un jour gagner ma vie avec ce sport. J'ai vraiment envie de continuer à jouer, mais je sais que cela coûte cher et je voudrais aussi continuer mes études. Tu sais qu'il y a une solution à ton problème ? Ah ? Mais oui, la Fondation Hope and Spirit. C'est quoi ? C'est une fondation qui s'adresse à des jeunes comme toi, de 12 à 20 ans. Des jeunes passionnés de tennis, mais qui veulent continuer leurs études. Elle met l'éthique en exergue et exige une attitude irréprochable sur et en dehors du terrain. Ça a l'air pas mal, mais je suis certaine que c'est réservé aux meilleurs Belges, ce que je ne suis pas. Non, non, détrompe-toi. Open Spirit accorde évidemment de l'importance au tennis, mais c'est surtout le profil du candidat boursier qui l'intéresse. Pour elle, chaque joueur constitue un véritable projet de vie, et elle lui propose un programme adapté à ses besoins, tant sur le plan sportif qu'intellectuel. Évidemment, si tu es accepté comme boursier, Open Spirit t'apporte aussi une aide financière. Et que doit-on offrir en échange ? Tu dois respecter l'éthique sportive d'Open Spirit. Respecter l'adversaire, l'arbitre, le public, véhiculer une image positive, et bien évidemment atteindre les objectifs que vous aurez fixés ensemble. Mais ça a l'air génial! Comment dois-je faire pour me porter candidate? C'est simple, tu vas sur le site www.openspirit.be et tu remplis le formulaire. Super! Bon, on y va! Mais où ça? Ben, sur le terrain, bien entendu! Alles goed? Ja, alles goed, maar ik weet niet hoe ik het volgend jaar zal doen. Hoezo? Je weet dat ik heel graag tennis speel. Maar ik denk niet dat ik het niveau heb om ooit geld te verdienen met deze sport. En ik wil echt blijven spelen. Maar ik weet ook dat het duur is en ik wil ook blijven studeren. Je weet dat er een oplossing is voor jouw probleem? Echt? Ja, de stichting Hope and Spirit. Wat is dat? Het is een stichting die zich richt op jonge spelers zoals jij van 12 tot 20 jaar. Jonge tennisliefhebbers die ook willen blijven studeren. Ze legt de nadruk op ethiek en vereist onberispelijk gedrag op en naast het veld. Ja, het lijkt me leuk, maar ik ben ervan overtuigd dat het bestemd is voor de beste Belgische spelers. Maar dat ben ik niet. Maar nee, dat is niet zo. Hope and Spirit hecht natuurlijk belang aan tennis, maar ze is vooral geïnteresseerd in het profiel van de kandidaat voor de beurs. Ze denkt dat elke speler een echt levensproject is en ze voorziet een programma dat aangepast is aan zijn behoeften, zowel op sportief vlak als op intellectueel vlak. Als je een beurs krijgt, zal Hope and Spirit je natuurlijk financiële ondersteuning bieden. En wat moet ik daarvoor doen dan? Je moet de sportieve ethiek van Hope and Spirit respecteren. Je moet de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek respecteren, maar ook een positief imago laten zien. Je moet natuurlijk ook de doelstellingen bereiken die jullie samen bepaald hebben. Ah, het lijkt me fantastisch. Hoe kan ik me kandidaat stellen? Het is simpel. Je gaat naar de website www.hopeandspirit.be en je vult het formulier in. Geweldig. Zullen we nu gaan? Waarheen? Ja, op het veld natuurlijk.